Salut les amis, salut les cancers. J'espère vraiment que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance complète qui va être assez riche pour l'année 2020. Comme d'habitude, je vous encourage, si vous le souhaitez, à compléter ce tirage en allant voir votre tirage pour le signe ascendant et votre signe lunaire. Voilà, tout simplement parce que ça vous permettra d'avoir plus d'informations. Et aussi, certaines personnes se retrouvent plus parfois au niveau de leur signe ascendant, par exemple. Donc voilà, comme d'habitude, prenez surtout ce qui résonne pour vous. Alors, pour ce tirage, j'ai survenu à mes basiques, j'ai pris le tarot de Marseille et j'ai décidé de faire un tirage de la roue astrologique, on appelle ça. Donc il n'est pas de moi, hein. C'est un tirage que vous pouvez trouver sur Internet facilement. Donc on a les 12 maisons ici en fait. 12 maisons, et chacune de ces maisons correspond à des domaines particuliers de la vie. Donc vraiment, on va voir l'histoire ensemble qui se déroule sous nos yeux. On va faire un voyage ensemble. Je vais me laisser guider, je ne vais pas forcément les faire dans l'ordre, maison 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. On va voir comment ça se présente. Et puis, le but, c'est de vous donner, bien sûr, des prédictions, des tendances, parce que n'oubliez pas que ça va être des énergies générales. Ça s'appliquera de manière différente pour chacun. Et puis surtout, peut-être aussi quelques petits conseils. Voilà. N'hésitez pas surtout à liker, à partager, à commenter. C'est important pour moi, ça aide beaucoup. Il faut le savoir aussi, ça aide la chaîne, tout simplement. Donc c'est très précieux. Voilà. Alors, écoutez, on va commencer malgré tout avec quand même la maison numéro 1. Pourquoi? Parce que dans cette maison numéro 1, c'est le héros de notre histoire. C'est-à-dire vous. Vous, d'une manière générale, ça va être la tendance générale, votre évolution personnelle aussi. L'empereur. Alors, je ne sais plus dans combien de signes c'est revenu à cette position, mais l'empereur est, je dirais presque un signe sur deux, on avait l'empereur à cette position. Donc, il y a des similitudes entre beaucoup de signes, ça veut dire que 2020 sera une année de construction. On est sur le chiffre 4. Je vais vous dire comme pour les autres, hein, ce que je ressens, mais avec cette énergie, c'est assez clair. L'empereur, c'est celui qui commande, c'est celui qui dirige sa vie. Hein. Vous voyez, on a le sceptre ici, le symbole du pouvoir qu'il tient fermement. Hein. Donc ça veut dire que vraiment, non seulement vous prenez le contrôle de votre vie, vous allez de l'avant. Et vous matérialisez, vous concrétisez certaines choses, peut-être certains de vos rêves, de vos désirs. En tout cas, avec l'empereur, on a quand même un sentiment d'accomplissement et de réussite. Hein? Ça, c'est vraiment très important. L'empereur aussi, étant avec le chiffre 4, parle, de la stabilité. De la stabilité à tous les niveaux, en fait, hein, d'un point de vue général. L'empereur ne manque de rien, a priori, que ce soit financièrement, que ce soit au niveau de la matière, justement. La matière, pour moi, ça représente le chiffre 4, donc du concret, voire même du travail, hein, potentiellement. De toute façon, vous inquiétez pas, on va le voir après, avec les énergies, à quoi ça correspond, mais on est quand même sur un sentiment général d'accomplissement, de réussite. Vous faites preuve de raison aussi, c'est-à-dire que l'empereur, ça représente la structure. Donc moi, je vois au niveau de votre esprit, hein, tout est organisé. Voilà, l'empereur, il est aussi organisé. Rien n'est laissé à la légère, tout est calculé, maîtrisé, pour obtenir une stabilité, et aussi ce que j'entends, c'est une sécurité. Voilà. L'empereur vous promet une année où vous aurez un sentiment de sécurité dans votre quotidien, dans votre concret, avec le 4 peut-être dans votre famille aussi. Ça,
Ça représente la figure paternelle et l'autorité, le pape. Pardon, le pape, l'empereur. Le pape aussi d'ailleurs, mais là, en l'occurrence, c'est l'empereur. Donc, ça veut dire que vous allez prendre la mesure de vos responsabilités. Voilà, vous aurez des décisions à prendre. Hein. L'empereur, c'est quand même celui qui gouverne. Donc, comme je dis, il y a des décisions importantes à prendre. Bah, justement pour peut-être faire fructifier votre patrimoine, faire évoluer votre entreprise ou même votre relation pour aller vers plus de stabilité. Hein. L'empereur, c'est celui qui bâtit. Qui bâtit, bon, notamment un empire. Donc, c'est symbolique. Hein. C'est vous qui allez bâtir votre propre vie. Et c'est bien parce que ça indique que vous aurez conscience aussi que ce pouvoir est entre vos mains et vous n'allez pas le laisser aux autres. Vous prenez vos responsabilités, vraiment. Ok. Bah écoutez, comme on a commencé avec l'empereur et qu'on est sur le chiffre 4, on va aller voir justement ce qui se passe en maison 4, ici. La maison 4 qui correspond au foyer, à la famille, à la maison, justement, aussi. Peut-être la maison aussi dans un point de vue symbolique, c'est-à-dire votre maison intérieure. C'est possible. Alors, on a l'ermite. L'ermite, et c'est intéressant, vous voyez, parce que là, ce qui me marque le plus tout de suite, alors est-ce que vous voyez la similitude? Moi, j'ai surtout été attiré par la barbe, là, et les cheveux, hein, ils ne sont pas tous comme ça au niveau des personnages, qui sont un peu bleutés, qui va être symbole de, comment dire, d'une certaine spiritualité, d'une certaine maturité, et encore plus avec l'empereur. Et l'ermite en tant que tel, déjà, c'est ce que ça représente, donc de la sagesse. Hein. Vous avancez en fait toute cette année au niveau de votre cellule familiale avec beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité. Là, c'est bizarre parce que je ressens pas souvent ça avec cette carte, mais là, c'est comme ça que je le perçois. Je vois là qui, comme si vous avez envie de protéger, de prendre sous votre aile. Il y a un peu l'idée ici, là aussi c'est une figure paternelle, l'idée vous voyez, du père de famille protecteur. Je ressens de la protection en fait, et avec l'empereur c'est ce que ça indiquait aussi. Donc au niveau de votre famille, vous voulez faire les choses bien, enfin, votre famille ou votre foyer, votre maison, vous voulez faire les choses bien, mais prudemment aussi, hein, il n'y a pas d'excès, il n'y a pas de. Vous vous emballez pas, hein, parce que l'ermite, c'est une énergie plutôt lente, progressive. Donc je sens que vous allez en fait aller vers cette stabilité, étape par étape. Hein. Au niveau de votre foyer, on peut vous dire aussi que vous allez éprouver le besoin, parfois quand même, de vous isoler. Hein, de prendre du temps pour vous, de prendre un temps de recul bah pour vous, mais alors peut-être pour vous faire plaisir, mais avec l'ermite c'est quand même une notion un peu plus élevée, plus spirituelle, c'est-à-dire que c'est prendre du temps pour soi pour aller rechercher certaines réponses. Il y a quand même une recherche et une quête avec l'ermite. Pour peut-être tout simplement voilà trouver certaines solutions pour il y a l'idée aussi de faire un bilan hein, avec l'ermite donc un bilan de votre passé un bilan de je sais pas moi de ce qui va arriver à vous durant cette année et des fois voilà vous aurez besoin et eh bien tout simplement de prendre du temps pour vous et de pas tout gérer pour les autres vous voyez parce que l'empereur ici, si par exemple on parle de votre foyer, bah c'est vous qui êtes aux commandes, vous êtes le chef de famille, le ou la, hein, c'est pas parce que c'est un personnage masculin ici, ça vous représente. Mais ça va avec tout un tas de responsabilités aussi en fait.
de responsabilité que vous avez sur les épaules. Hein? Et donc c'est pour ça que parfois, vous aurez certainement le besoin aussi de lâcher la pression, décompresser et prendre un peu de, ben ouais, un peu de temps pour vous. Aussi simple que ça. Et justement, c'est la maison aussi intérieure, comme je vous ai dit, la maison numéro 4. Donc, ça vient bien confirmer ce que je vous dis, c'est que vous allez éprouver par moments le besoin de vous isoler pour mieux vous retrouver, pour aller chercher des réponses à l'intérieur de vous, ou en tout cas par vos propres moyens, hein, parce que l'ermite est un personnage seul, souvent. Ça ne veut pas dire que vous allez être seul, d'accord? C'est dans la symbolique. Alors attendez, je me suis arrêté sur le mot seul parce que j'essayais de voir si en effet ça peut vouloir dire que pour certains. Oui, alors, ouais. Donc il y a ce message qui me vient quand même, c'est qu'en effet, pour certains, au niveau de votre foyer, il est possible que vous soyez célibataire, en fait, tout simplement, et que cette période de célibat vous convienne. Hein. C'est pour ça qu'aussi, il peut y avoir un sentiment quand même de stabilité, parce que l'ermite, c'est lui volontairement qui s'isole. D'accord? Donc peut-être que vous ne recherchez pas forcément l'amour ou à fonder une famille, à avoir des enfants, etc. En tout cas, en 2020. Mais par contre, tu auras une réflexion personnelle, hein, une recherche intérieure. C'est pour ça qu'on parle de votre maison intérieure, où là, en effet, ça va progresser pour vous. Donc, je ne sais pas si j'étais clair avec tout ça. Voyez un petit peu quelles énergies de l'ermite vous correspondent dans cette maison numéro 4. Mais l'ermite, c'est aussi un guide, hein? C'est aussi un guide, c'est celui qui montre la voie dans le sens extrêmement positif de l'ermite. Donc vous voyez, ça vient bien pour certains avec ce message de l'empereur qui prend des décisions, qui agit aussi, hein? Et qui est un leader, hein? L'empereur, c'est un leader et l'ermite peut être un leader dans le sens où il montre la voie, il montre le chemin. Mais on est sur montrer le chemin peut-être d'un point de vue, comment dire, plus spirituel ou de développement personnel, vous voyez? Et enfin, bah, vous le prendrez comme vous voulez, ou comme vous pouvez surtout. Le 9, ici, on est sur le chiffre 9, c'est la fin d'un cycle, hein? Donc peut-être qu'il y a quelque chose aussi au sein de votre foyer ou au sein de votre intériorité qui se termine, un cycle qui arrive à sa fin. Et c'est peut-être pour cela que, avant d'entamer un nouveau cycle, vous allez éprouver le besoin de faire une sorte de bilan. L'ermite, il regarde vers la gauche, vers la gauche. Vers le passé, donc. Hein? Donc, bilan des expériences passées pour gagner encore une fois en sagesse. Vous voyez, en sagesse. Et l'empereur aussi a beaucoup de maturité en lui et de sagesse. Alors, juste là, j'ai bien envie de regarder puisque justement l'ermite regarde la carte à côté ici. Donc on va utiliser les jeux de regard si on peut dans ce tirage. Et le tarot de Marseille se prête vraiment bien à cet exercice. Donc on va regarder la maison 3. Hein. On va passer sur quelque chose de différent ici. La maison 3, c'est la maison de la communication dans un sens global et aussi des apprentissages. Apprentissage, par exemple, ben, s'il va y avoir des formations, quelles qu'elles soient, ça apparaîtra dans cette maison. Le battleur, eh bien oui. Alors déjà, tout de suite, je vais vous parler des apprentissages. En effet, ici, vous allez chercher à suivre bah, peut-être une formation, en tout cas apprendre de nouvelles choses. On est sur le 1, donc on est sur une découverte aussi. Hein.
Je ne sais pas du tout ce que ça peut concerner. Ça peut être plein de choses. Ça peut être vraiment plein de choses. Ça peut être lié au travail, tout comme ça peut être lié au développement personnel, vous voyez. En tout cas, c'est quelque chose de nouveau pour vous, que vous débutez. Mais c'est quelque chose de nouveau, mais qui vous enthousiasme profondément, hein. Je sens l'énergie du feu là, intérieurement. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui vous pousse, qui vous anime. Le battleur, c'est quelqu'un d'assez juvénile, oui, dans l'esprit. C'est ça en fait, c'est votre curiosité, votre enfant intérieur qui va être stimulé par rapport à cette formation ou cet apprentissage que vous allez suivre ou découvrir. Et il est possible, d'ailleurs, on a l'ermite à côté, il est possible en effet que ce soit avec une sorte de mentor, c'est-à-dire. Je ne sais pas si c'est vous, juste uniquement par exemple en allant regarder sur Internet, en lisant des livres, qui allez vous former. C'est possible, mais avec l'ermite ici, moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un peut-être qui vous amène sur ce chemin ou qui va vous guider aussi, tout simplement, sur ce nouveau chemin pour vous. Donc ce chemin d'apprentissage. Et derrière, il y a l'idée ici de développer certains de vos potentiels, en fait, certains de vos talents ou de vos capacités. Ça peut être des choses que vous avez déjà depuis un certain temps, auxquelles vous avez réfléchi, et là maintenant, c'est le bon moment en 2020 pour vous lancer. Ou alors, ça peut être aussi quelque chose dont vous n'aviez pas conscience, et vous allez avoir un intérêt stimulé pour tel ou tel. Comment on dit? Ah mince, j'ai zappé le mot. Tel ou tel domaine, voilà, c'était pas ça, mais on va dire ça. Dans tous les cas, c'est quelque chose de passionnant, en fait. C'est ce que je ressens. Quelque chose qui vous passionne. Au niveau de la communication, donc si ici on parle de communication. J'essaie de voir ce que ça pourrait vouloir nous dire. Alors, avec le battleur, on parle donc de communication, oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème d'une manière générale avec les autres. En tout cas, il y a des opportunités, des ouvertures, mais le battleur parfois est un petit peu maladroit ou ne sait pas comment s'y prendre. Donc je pense aussi qu'il y aura cette recherche pour vous et cette évolution aussi, ce développement au niveau de votre communication pour mieux cerner les personnes avec qui vous parlez et trouver. En fait, j'ai la notion d'adaptation aussi ou d'adaptabilité ici. Donc, je pense que c'est vers ça aussi que vous allez. Hein. Vous allez changer certains comportements, certaines attitudes que vous aviez au niveau des échanges avec les autres. Ça va être assez nouveau pour vous. On est encore une fois sur le 1, donc sur la nouveauté. Mais il n'y a pas de problème, hein, parce que le battleur, c'est vraiment, on peut donner deux mots-clés, c'est agir et communiquer. Ok, je vous dis juste aussi ça, parce que je le ressens avec cette énergie du battleur. Le battleur est parfois un petit peu beau parleur. Vous voyez, beau parleur ou a tendance à enjoliver les choses. En fait, c'est l'équivalent du magicien, vous voyez. Donc, il y a un petit côté ici, non pas manipulation, c'est pas ce que je ressens, mais peut-être justement à vouloir beaucoup en faire, peut-être pour impressionner ou pour se mettre en avant. Et puis, bon, écoutez, il n'y a pas de problème avec ça aussi, hein. Mais voilà ce que je peux vous dire par rapport à la communication. Pour certains, vous allez aussi voir demander conseil, peut-être. Hein, on voit qu'il tend
je sais pas, je dirais une flûte, on va dire ça comme ça. Pour moi, c'est une flûte. Et il l'attend comme ça, comme si il demandait des conseils aussi. Hein. Donc, au niveau de la communication, vous n'allez pas hésiter à glaner de précieux conseils autour de vous pour vous indiquer comment faire. Parce qu'en fait, le battleur, il a envie de se lancer dans quelque chose. Hein. Il est animé par une envie, mais parfois il a tous ses objets sur la table en fait et il sait pas trop quoi en faire, comment on fait. Et il est possible que justement vous ayez besoin d'en parler. Voilà, si vous avez des projets que vous voulez mettre en place qui sont nouveaux pour vous, ou bah justement si vous voulez mettre aussi, enfin suivre une formation, vous aurez peut-être besoin de l'exprimer. C'est intéressant aussi parce que je vous ai dit que l'ermite, au niveau de la maison 4 du foyer ou de la famille ou de la maison dans le sens très symbolique du terme, même votre maison intérieure, on était sur un chiffre 9. 9 qui représente une fin de cycle. Et vous voyez, c'est intéressant parce que le battleur, c'est le numéro 1. Donc, ici, ça va nous vouloir dire que au niveau de votre famille, oui, il y a bien un nouveau cycle qui se prépare. Hein, une nouvelle opportunité, un nouveau chemin, quelque chose dans lequel vous voulez vous lancer, quelque chose que vous voulez suivre. Et comme je vous disais aussi, avec l'ermite qui regarde vers le passé, qui fait une sorte de bilan, vous allez peut-être revenir à l'origine. À l'origine, donc ça veut dire sur vos racines, sur votre enfance. Ou par exemple sur le début de votre relation, vous voyez, on est vraiment sur comment dire, apprendre de nos expériences du passé ici. Et donc avec les deux à côté, en effet, c'est confirmé. Ben on va continuer un petit peu avec les jeux de regard d'ailleurs. Le battleur regarde vers la maison numéro 2. Donc, bah écoutez, on va regarder maison numéro 2. Cette maison, c'est la situation matérielle. Pareil, dans sa globalité. Votre situation matérielle et donc financière aussi. Vous avez l'étoile. Bon, bah, je vais faire assez rapide. L'étoile, c'est une carte extrêmement positive, une carte d'espoir, une carte de rêve. Donc peut-être qu'en effet, votre situation matérielle, tout simplement, va vous permettre de réaliser certains de vos rêves. Dans tous les cas, avec l'étoile, on parle aussi, vous savez, de sa bonne étoile, hein? Donc vous allez recevoir des coups de pouce de l'univers au niveau matériel ou au niveau très concret financier. Et puis, avec l'étoile, pour moi, il y a la notion de fluidité aussi. En tout cas, là, pour moi, et dans cette position, c'est comme ça que je le vois. Fluidité au niveau de l'argent. Il y a peut-être beaucoup d'argent qui sort. Hein, c'est possible. Mais si ça sort, c'est parce que c'est rentré. Vous voyez ce que je veux dire? Ou c'est parce que vous avez les moyens. Ici, on n'est pas du tout sur une carte qui indique que votre situation matérielle et financière soit problématique. Je dirais que c'est même plutôt le contraire. Et si jamais, à des moments, vous avez l'impression que c'est compliqué, eh bien, surtout, gardez espoir parce que cette carte symbolise l'espoir, l'étoile. Hein? Sachez que vous n'êtes pas seul et que vous pouvez demander aussi à l'univers une amélioration financière ou matérielle. Et au contraire, il ne faut pas hésiter. Alors, vous voyez, déjà, c'est quand même intéressant parce que ici, on avait l'empereur donc qui vous représente et toutes les cartes ici regardent vers l'empereur. Hein. Donc, pour moi, je le perçois comme si c'était déjà toutes ces étapes-là, en fait, qui vous amènent, entre autres, à être dans cette position de l'empereur, de sécurité, de stabilité. D'équilibre, de quelque chose de construit aussi, hein, c'est la construction, le chiffre 4, et la matérialisation.
Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder maintenant? Le professionnel ou le sentimental? J'ai bien envie de regarder le professionnel. Vous inquiétez pas, on viendra au sentimental aussi. Alors, au niveau professionnel, on a déjà cette maison-là, la maison numéro 6. En fait, la maison numéro 6, c'est surtout le quotidien, hein, l'ambiance au quotidien, l'atmosphère au quotidien. Mais comme pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre nous, le quotidien est surtout rythmé par le travail, moi j'associe la maison 6 aussi au travail au quotidien. Vous avez l'amoureux. Avec l'amoureux, on parle de choix du cœur, avant tout. Et c'est important de s'écouter. C'est-à-dire que il y aura plusieurs options, plusieurs opportunités. C'est comme si je ressentais que vous allez être à un carrefour au niveau professionnel et il y aura des choix à faire vraiment importants. Vraiment importants. Et peut-être que vous aurez du mal à faire ce choix et que vous aurez besoin, bah justement, vous voyez, d'en parler. On parle de la communication. Là, vous voyez, on parle de communication aussi dans cette maison numéro 3 pour prendre un nouveau départ. Donc, il est possible que ce soit en effet professionnel. Il peut y avoir pour vous une sorte d'hésitation parce que il peut y avoir votre cœur qui vous pousse dans une voie et votre raison ou votre mental qui vous pousse dans une autre voie. Hein, par exemple, je ne sais pas, ça peut être d'un côté professionnellement, vous avez une option pour gagner plus. Donc là, ça serait le côté plutôt mental, rationnel. Et puis d'un autre côté, vous avez une proposition pour travailler avec des gens que vous appréciez vraiment, mais vous gagneriez moins. Vous voyez, il y a un choix en tout cas, un choix important à faire. Et on vous donne quand même des indications ici. Ce personnage met la main sur le cœur et il y en a le petit Cupidon ici qui pointe aussi le cœur. Donc c'est avant tout, faites le choix pour vous-même. Soyez à l'écoute de votre petite voix intérieure en fait et de votre cœur. C'est très important que vous soyez connecté à votre cœur pour prendre les décisions dans votre milieu professionnel. Malgré tout, ce que cette carte vient nous dire aussi au quotidien, c'est que déjà on voit trois personnages, donc je dirais que pour moi l'ambiance professionnelle, l'atmosphère, au quotidien sera bonne. Il y a des échanges. On ne fait pas les choses seules. Il y a de la communication, il y a des échanges, il y a du partage aussi. Il y a même peut-être des amis en fait hein, pour vous qui sont vos collègues aussi. Enfin, pour moi, c'est pas juste des collègues. Voilà, on est sur l'amoureux, donc sur l'amour. Ça ne veut pas dire que vous allez tomber amoureux d'un collègue ou d'une collègue. Après, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas aussi, hein? D'ailleurs, si je dis ça, c'est pas pour rien. Je ne pensais pas à ça, mais écoutez, c'est une éventualité, en tout cas. Avec cette carte dans la position du travail au quotidien. Oui, c'est possible. Il est possible d'ailleurs que ce choix fasse référence à ça. Mais bon, vous voyez, c'est tellement large, c'est juste une énergie, donc je peux partir dans plein de directions différentes. Donc, j'essaye de vous exprimer. Tout d'abord, en premier lieu, à chaque fois ce que je ressens, et puis après, des fois, j'ai d'autres choses qui me viennent, donc ça peut être d'autres interprétations aussi. Mais avant tout, c'est un choix important. Pour continuer au niveau professionnel, on va regarder la maison numéro 10 ici. Parce que la maison numéro 10, elle va représenter votre carrière pour le coup. Là, on était plutôt sur le quotidien, et là, c'est vraiment la carrière. On vit sur le long terme, on voit vos ambitions, votre évolution au niveau professionnel. La roue de fortune. Ok. C'est plutôt en lien avec l'amoureux, parce que ça veut dire que déjà, il y aura des opportunités d'évolution pour vous, de faire bouger les choses. Ça va bouger, hein?
La roue de fortune, c'est une carte de mouvement. Les choses sont il y a un renouvellement en fait pour vous au niveau professionnel qui se prépare. Je ne sais pas encore une fois ce que c'est. Ça peut être plein de choses. Ça peut être un nouveau poste. Ça peut être changer de travail. Ça peut être trouver du travail aussi. Hein, si actuellement vous étiez sans emploi, sans activité, voilà tout ce que ça peut indiquer. En tout cas, la roue de fortune, c'est des changements et des changements importants qui arrivent sur votre chemin de vie, souvent qui ne sont pas prévus. Ça veut dire que c'est comme si c'était une opportunité qui vous était présentée, quelque chose qui est amené sur votre chemin par vos guides en général, la plupart du temps, ou par l'univers, parce que la roue de fortune est très lié quand même au destin, à la destinée. Donc peut-être que ces opportunités qui vont arriver, ces changements qui arrivent pour vous, c'est pour vous réaligner aussi, vous réaligner à ce que vous êtes vraiment. C'est pour ça d'ailleurs qu'on trouvait l'amoureux à cette position et qu'on vous dit faites le choix du cœur. Parce que si vous faites le choix du cœur, vous êtes dans votre alignement. Vous voyez, sans parler de mission de vie ou de choses comme ça, c'est pas important en fait. Vous savez, le plus important, c'est juste de faire ce que l'on aime et d'aimer ce que l'on fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et si vous êtes dans ces vibrations-là, ça veut dire que vous êtes heureux, tout simplement. On peut le dire aussi comme ça. Si vous êtes heureux, eh bien, on s'en fiche en fait de votre mission de vie. C'est juste que vous êtes bien à votre place. Et c'est bien ça qui compte. Après tout, oui, c'est juste d'être heureux. Et en général, il se trouve que la nature est bien faite. C'est que quand vous êtes heureux, il se trouve que si on regarde votre mission de vie, peu importe ce que vous faites au niveau de votre activité ou comment vous le faites aussi, parce que c'est souvent ça qui compte le plus, c'est pas l'activité en soi, c'est qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous apportez, eh bien vous êtes dans votre axe, vous êtes dans votre alignement. Donc des opportunités d'évolution, de changement de carrière aussi. Vous voyez, je parlais de choix, donc vraiment, il peut y avoir un retournement, un changement de situation pour vous. Mais la roue de fortune, ça a quand même très souvent une connotation positive. On parle de coup de chance, d'opportunité, oui, c'est ça, le hasard qui fait bien les choses. J'ai cette voix qui me vient, le hasard fait bien les choses, mais en fait, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Ça veut juste dire, ok, on me dit que, en fait, c'est que pour beaucoup, ces changements qui vont s'opérer ou qui peuvent s'opérer, parce que vous aurez le choix, comme on l'a dit, vous aurez le choix. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? Donc, par rapport au hasard, désolé, des fois j'ai des bugs. Ben, je ne sais plus. Vous voyez, franchement, des fois, je reçois des informations et puis je parle, et en fait, si je ne livre pas l'information tout de suite, eh bien, ça part. Alors, est-ce que je peux retrouver ça? Ben non, ben écoutez, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Donc, si jamais l'information me revient, je vous la transmettrai. OK? C'est pas grave. Bon, je vais boire un coup comme ça va permettre de se mettre, de se reconnecter aussi. Ok. Alors, on va maintenant regarder un petit peu tout ce qui est la sphère sentimentale avec la maison numéro 5 ici. La maison numéro 5, donc, c'est pour moi la vie sentimentale, de manière générale, la vie sentimentale, elle peut représenter aussi cette maison, la créativité, les désirs qui vous animent, les envies, la créativité. Vous avez la papesse.
Alors là aussi, c'est intéressant parce que si je les mets à côté, vous voyez que vraiment tous ces personnages regardent vers la gauche, même l'amoureux, ouais, tous regardent vers la gauche et vers l'empereur au final, et la papesse qui regarde l'ermite notamment. Pourquoi je dis que c'est intéressant? Parce que pour moi, ces deux énergies, elles partagent beaucoup en commun, la papesse et l'ermite. Et il se trouve que donc l'ermite, c'est la maison, c'est le foyer. Je vous ai dit besoin d'introspection pour beaucoup. Et la papesse, eh bien, c'est quasiment la même énergie. En fait, la papesse, il y a beaucoup de choses qui se passent intérieurement avec la papesse, mais pas extérieurement. C'est-à-dire qu'elle réfléchit beaucoup, elle s'interroge aussi, mais elle garde tout le fruit de cette réflexion pour elle. Hein. Elle ne le dévoile pas. Vous voyez, là, il y a un voile ici qui la cache en partie. Donc, il y a des choses, en effet, que vous ne dévoilez pas ou que vous les gardez pour vous, que vous gardez secrètes aussi. Avec la papesse, c'est ça. C'est le mystère, le secret, hein, au niveau des mots-clés. Mais on retrouve cette notion de peut-être faire le point, faire le bilan aussi, vous voyez. Elle tient un livre qui peut être le livre ben, de votre vie, du passé, de vos expériences. Donc on retrouve vraiment cette notion de faire le bilan, faire un bilan introspectif sur tout ce qui concerne votre vie sentimentale et sur ce que vous avez déjà vécu. Ça peut vouloir dire plein de choses, mais pour vous donner aussi un exemple, peut-être que vous ne voyez pas ça comme ça peut être aussi tout simplement qu'aujourd'hui vous êtes en couple, tout va bien, mais il se trouve qu'en 2020, vous allez vouloir revenir sur certaines choses du passé pour vous, pour vous-même, peut-être juste pour votre évolution personnelle, pour votre évolution aussi spirituelle, votre évolution d'âme. En tout cas, la papesse vous donne comme conseil d'écouter vraiment votre voix intérieure et d'écouter votre intuition pour tout ce qui touche à la sphère sentimentale. Et au niveau de la créativité aussi, ce que je ressens, c'est que oui, il y a certainement des projets, des choses que vous allez vouloir mettre en place, mais vous allez devoir prendre le temps d'abord de le... Comment on dit? De l'infuser. Voilà, j'ai ce mot-là. De l'infuser en vous, de l'intégrer. On retrouve le côté formation aussi, peut-être. Vous voyez? Suivre une formation, comme je vous disais. La papesse va rejoindre aussi l'ermite parce que dans la vie sentimentale, ça veut dire que vous n'êtes pas pressé, vous ne voulez pas précipiter les choses, mais plutôt prendre le temps de la réflexion, de l'analyse. Les deux cartes, c'est pour moi deux cartes aussi de prudence, hein, non pas peut-être parce qu'il y a un danger, mais parce que ben, vous voulez vraiment savoir où vous allez, savoir dans quoi vous vous engagez. Est-ce que peut-être parce qu'il y aura des opportunités au niveau sentimental, des nouvelles rencontres, justement, et vous allez vraiment vouloir étudier ça de plus près. Ne pas vous lancer comme ça à l'aveuglette ou en tout cas on change sa vie hein, du jour au lendemain. Ok. On va regarder là, ici, la maison numéro 7. On reste dans la même lignée puisque la maison numéro 7, c'est la maison du partenaire, du conjoint. Ça va le représenter. Et dans un autre point de vue aussi, ça va représenter les partenariats dans le sens global du terme. Donc, notamment au niveau professionnel, potentiellement des partenariats possibles. Le chariot. Ah, c'est intéressant. C'est très intéressant même, parce que là on est sur une énergie totalement différente. Donc ça représente notamment votre conjoint ou le partenaire pour vous en 2020. On est sur quelqu'un qui pour moi est sûr de lui, qui a vraiment envie d'avancer, voire même
d'avancer vite, voyez, qui connaît sa direction, il a un cap, il a un plan et il est déterminé, il ou elle donc, mais si on parle de partenaire, je vais dire il, voilà, déterminé à aller de l'avant et à réaliser ses objectifs. Parce qu'il y a des objectifs derrière. Il y a des désirs personnels. Personnel ou pour la famille, mais vous voyez, c'est quelque chose qui anime votre partenaire de l'intérieur. Il y a une envie, il y a vraiment la volonté hein, d'avancer, de construire, de bouger, de se lancer dans quelque chose, dans un projet, donc je ne sais pas, un projet d'enfant, un déménagement, vous voyez, tout ça. En tout cas, ça rejoint la construction. Et puis d'ailleurs, on a l'empereur juste au-dessus, hein, quand même. Mais ce qui est intéressant, c'est que la communication, elle sera vraiment importante entre vous. Parce que vous voyez, là, au niveau de votre vie sentimentale, et même avec la carte de l'ermite, j'ai exprimé que c'était plutôt des cartes lentes, des cartes entre guillemets passives, ou en tout cas passivité extérieure, dans le concret. Par contre, à l'intérieur, oui, il se passe beaucoup de choses. Et là, c'est l'inverse, en fait. Lui, il réfléchit pas, ou il réfléchit plus, on va dire. Il sait ce qu'il veut, il y va, il se lance, et peut-être rapidement. Mais là, c'est vraiment l'inverse. C'est vraiment l'inverse. C'est vraiment vouloir y aller mollo-mollo. Donc, c'est intéressant de voir ça. Peut-être que ça vous donne des indications ben, pour mieux vous comprendre si vous êtes en couple ou en tout cas avec le partenaire que vous aurez durant 2020. Parce que déjà, vous avez un peu l'état d'esprit de la personne, sa dynamique. Et vous, votre dynamique. Donc, il faudra trouver un juste équilibre entre ces deux énergies. Ça sera important que vous puissiez avancer et aller vers quelque chose de stable, vers une construction aussi, que ce soit sécurisant, mais pour les deux. Hein? D'accord? Donc, il y a une notion de compromis là-dedans. Faudra peut-être que votre partenaire comprenne que vous avez besoin d'un peu de temps. Peut-être que vous avez besoin de temps aussi pour régler certaines choses du passé, certaines blessures du passé. Voilà. Le chariot, c'est celui qui part à la conquête, hein. Donc là, on voit un personnage aussi, comme je vous ai dit, donc qui sait ce qu'il veut et qui va bah, tout simplement tout faire, tout mettre en œuvre. Pour essayer de vous conquérir, pour essayer de un petit peu de se mettre, je dirais, sur un piédestal ou de se valoriser, vous voyez, enfin, qui met toutes les chances et tous les atouts de son côté bah, pour vous plaire en fait, pour vous plaire. Ok. Maintenant, pour faire simple aussi au niveau des partenariats, notamment professionnel, c'est de très bon augure, hein, le chariot. Parce que le chariot, c'est aussi la carte du succès, du triomphe, succès, triomphe. Oui, il y a potentiellement des partenariats qui vont vous amener vers une certaine réussite, un certain accomplissement. On voyait quand même que dans la sphère professionnelle, ça bouge beaucoup. Je vous ai parlé de mouvement. Et le chariot est aussi une carte de mouvement, justement. De mouvement et de mouvement vers l'avant. On avance, on évolue. Il y a une reconnaissance. Il y a une reconnaissance aussi avec ce chariot. Une reconnaissance, une réussite. D'accord. Alors. On va aller, là je suis attiré par cette maison qui est la maison numéro 9. Alors, c'est la maison des voyages. Donc ça va bien sûr indiquer s'il y a des voyages de prévus cette année, quelles seront la nature de ces voyages. C'est le voyage aussi symbolique. Donc, dans le sens l'ouverture vers d'autres perspectives, d'autres façons de penser, vers les autres. Et la spiritualité, cette maison numéro 9. Alors, le pendu.
Le pendu. Alors, écoutez, pour faire rapide sur l'aspect voyage concret, je ne pense pas a priori qu'il y aurait un voyage en 2020, notamment s'il y a quelque chose d'important pour vous de prévu, il est possible qu'il y ait un blocage, qu'il y ait des retardements par rapport à ce projet de voyage. Alors, je mets quand même une parenthèse à tout ça, ça ne veut pas dire que tous les cancers, vous allez rester chez vous et personne ne va bouger. Hein. Bien sûr, il est possible qu'il y ait des voyages quand même. Mais l'énergie quand même principale de la carte ici, au niveau des voyages, et peut-être que vous, cette carte, elle vous parlera plus au niveau de la spiritualité, c'est possible. Je vais y venir après, mais bon, ben bah voilà, on voit un personnage qui est pendu, qui ne bouge pas. Hein. C'est justement, là, il n'y a pas de mouvement pour le coup. Donc, je ne ressens pas de voyage, et je dirais même que si en effet il y a un voyage que vous attendiez, que vous prévoyez, par exemple déménager à l'étranger ou quelque chose comme ça, oui, il est possible qu'il y ait des retardements, qu'il y ait des blocages, mais en plus, ça ne vient pas de vous. Je ne pense pas que ça vienne de vous parce que vous êtes déterminé de toute façon. Vous avez ce qu'il faut, vous avez les outils nécessaires, vous savez ce que vous voulez. Mais voilà, avec cette carte, je ressens que malheureusement, il y a aussi les circonstances extérieures et ça sera peut-être pas possible cette année. Alors, par contre, ici, au niveau de la spiritualité, là, il y a vraiment une vraie évolution. Parce que le pendu, c'est une carte extrêmement spirituelle. Voyez, c'est en fait votre perspective qui va changer. Hein? Votre perspective, votre vision sur la vie, sur les gens, sur tout un tas de choses qui va être amené à shifter, shifting, donc à basculer. Voilà, il y a un basculement, un retournement. Vous voyez, pour vous, mais un retournement positif en fait au niveau de votre spiritualité. Et vous allez aussi prendre le temps de développer en fait quelque part votre spiritualité et votre développement personnel, quoi. Vous allez Ce qu'on me dit, c'est que vous allez vous dépouiller de certaines choses, de certaines choses, de certaines couches. Donc ça peut être par exemple des croyances, des choses en fait qui sont ancrées comme ça, des pensées, oui, des pensées, des croyances, des schémas aussi. Voilà, des schémas dont vous allez vous détacher pour le coup. Progressivement, hein, apprendre à vous détacher. Vous voyez, d'ailleurs, il est attaché justement. Donc, c'est sur ça qu'il va y avoir une évolution pour vous, un travail intérieur, là aussi. Tout se fait dans l'intériorité. Et surtout, une des grandes leçons que vous allez tirer très clairement de cette année 2020, d'un point de vue personnel et spirituel, c'est, et j'ai envie de dire, ouf, c'est le lâcher prise. Voilà, je pense que vous entendez souvent parler de ça, mais le pendu, c'est bien ce que ça va nous indiquer, c'est lâcher prise sur ce que vous ne contrôlez pas. Il y a aussi donc cette notion, oui, de lâcher prise et de prendre de la distance. On pouvait le voir avec l'ermite. Et puis de toute façon, là, vous voyez, il y avait déjà deux cartes ici qui parlait vraiment de développement personnel, spirituel, d'introspection, et c'est assez logique quelque part qu'on retrouve le pendu en maison numéro 9. Donc une vraie progression au niveau de votre conscience, au niveau de votre âme, au niveau de leçons spirituelles que vous allez apprendre pour cette année. Et je vois d'ailleurs le battleur juste au-dessus, qui était en maison 3, maison des apprentissages. Je vous l'ai dit, maison des apprentissages. Donc peut-être que les apprentissages aussi que vous allez expérimenter, expériencer, vont être liés avec tout ce qui touche d'une manière proche ou éloignée au développement personnel, le développement personnel.
Comme on est ici, on va regarder. Alors attendez, non, j'ai bien envie, on va garder les deux après pour la fin. On va aller rapidement en maison, enfin rapidement ou pas, je sais pas, je parle beaucoup, donc en maison numéro 11. Maison numéro 11, c'est la maison des amis, des gens qui sont proches de vous, du relationnel, de l'aspect social aussi. Et en maison 11, on peut y retrouver aussi vos espoirs et vos rêves pour cette année 2020. Le jugement. Ok. Eh bien écoutez, pour vous, je sens qu'en effet, il y aura déjà beaucoup d'échanges, beaucoup d'échanges, beaucoup de personnes autour de vous. De toute façon, on l'a vu hein, à d'autres positions, que vous n'êtes pas seul, vous êtes non seulement accompagné, mais en plus vous êtes guidé, vous êtes bien conseillé. Voilà, vous êtes entouré aussi par certaines personnes. J'ai cette notion de cocon, c'est-à-dire que vous sentez en sécurité, vous sentez que vous pouvez échanger, communiquer, partager ce que vous ressentez avec beaucoup de personnes autour de vous. Donc c'est bien, c'est précieux d'avoir ça. Et même avec cette carte, on vous dit que vous allez faire la rencontre de nouvelles personnes aussi. Alors, désolé, petite coupure. En fait, ma fille vient de se réveiller de la sieste, donc voilà. J'ai dû interrompre momentanément la vidéo. Qu'est-ce que je parle bien? Non. Bon, alors, donc je sais plus trop où j'en étais. Je pense que j'ai parlé au niveau, en effet, sociable, des amis. Voilà, il y a de l'échange. Il y a en effet même des nouvelles rencontres qui vont être mises d'ailleurs sur votre chemin. Donc ça veut dire qu'il y aura des choses à partager avec ces personnes-là, ou il y aura des choses à apprendre avec ces personnes. Dans la réciprocité, hein, j'entends. Voilà, donc c'est quand même très très riche, hein. On voit une carte quand même très chargée d'ailleurs, donc au niveau social, c'est riche, riche et enrichissant. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ah oui, en maison 11, les espoirs et les rêves. Eh bien, au niveau de vos rêves pour cette année 2020, vous espérez justement un changement important, un changement positif dans votre vie. Mais moi, j'ai l'impression qu'on est encore une fois sur quelque chose de spirituel. On est sur un changement qui vous concerne, vous, qui concerne une renaissance en fait. Je sens que vous aurez l'envie de renaître à vous-même. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, vous voyez, là, c'est comme si c'était un accouchement en fait, où en fait c'est quelqu'un qui sort d'un tombeau, mais moi j'ai cette notion d'accouchement, donc revenir un peu plus à quelque chose d'essentiel pour vous, à votre essence, épurée, plus épurée aussi. Donc encore une fois, il y avait cette notion de dépouillement avec le pendu, de vous libérer aussi. C'est une libération, le jugement, de vous libérer de certaines couches. Alors, de certaines couches, si ça vous parle pas, comment je peux vous dire ça? Ça peut être plein de choses, de certaines addictions, de certains comportements, de certains schémas répétitifs dont vous ne voulez plus. Voilà ce que vous voulez. Vous voulez un renouveau personnel. Une libération personnelle. Alors, justement, on va regarder la maison 8 que j'aime beaucoup parce que c'est la maison des transformations. Transformations qui vont s'opérer en 2020. La lune. Oui, je dis oui, ça fait beaucoup de sens, la lune. Eh bien, vous allez justement faire un travail en profondeur sur vous. Ici, la lune, c'est tout ce qui est lié aux parts d'ombre, notamment, à vos parts d'ombre. Donc je sens que vous allez vraiment travailler, faire un travail et un cheminement personnel intense, hein, là aussi ça bouillonne, c'est très effervescent, intérieurement pour aller justement vers cette renaissance ensuite. Vous allez affronter, oui, intérieurement certaines de vos peurs, certaines de vos angoisses.
comprendre d'où ça vient, comprendre quels sont les mécanismes, qu'est-ce qui se joue. Et avec la lune, c'est les choses, tout ce qui est caché. Donc, ce qui est caché, ça peut être des choses que vous ne montrez pas aux autres, sur lesquelles vous allez travailler encore une fois intérieurement, en silence, c'est-à-dire sans forcément parler de ce que vous êtes en train de vivre intérieurement, ou alors de choses cachées, c'est-à-dire dont vous n'aviez pas conscience jusqu'à maintenant, mais là, ça va être, comment dire, amené en fait tout simplement à votre conscience en 2020. Donc gros, gros, gros travail personnel, grosse phase de transmutation, de transformation aussi bah, pour vous, très clairement. Puis on est en maison 8, hein, donc je trouve qu'elle est plutôt bien dans cette maison. Et c'est bien d'ailleurs d'avoir la lune dans cette maison. Ça veut dire que vous allez réussir à, et on le voyait bah, avec l'empereur en fait, à affronter certaines choses en vous, certaines blessures, certains blocages que vous rencontrez. Et ça va vous amener à quoi? Ça va vous amener tout simplement à cette position de l'empereur. Celui qui sait où il va, celui qui est confiant et déterminé, celui qui est maître, maître de sa vie et donc maître de ce qui se passe surtout à l'intérieur de vous. Ok. Et alors, on va voir maintenant la dernière maison ici, la maison numéro 12, qui, eh ben c'est très bien d'enchaîner là-dessus parce que c'est la maison des parts d'ombre, justement. La maison numéro 12. Quelles sont les parts d'ombre sur lesquelles vous allez vraiment devoir travailler? Quelles sont les épreuves, les défis qui vous attendent pour cette année, les obstacles à dépasser? La force. Eh oui. La force. Eh bien, votre défi, et ben, c'est ce que j'ai dit juste avant, en fait, votre défi, ça sera justement de vous retrousser les manches quelque part, d'avoir le courage, parce que la force, c'est aussi ça, c'est le courage pour aller affronter. Vous voyez, comme cette personne-là qui est en train, à main nue, d'ouvrir la gueule d'un lion. Donc, ça symbolise le fait d'aller confronter, vous confronter en fait volontairement à vos parts d'ombre. Donc, ça indique aussi que c'est ce que vous allez faire en fait, et on l'a vu dans le tirage. C'est ce que vous allez faire, mais en même temps, c'est le défi forcément qui vous attend. Ça veut dire que ça sera pas facile, et surtout quand on touche à des transformations intérieures importantes comme ça, qu'on décide de faire ce travail personnel, c'est vraiment bien, c'est vraiment super pour vous. Mais c'est vrai aussi que ben voilà, c'est pas facile hein, d'être confronté à nos peurs, à des choses qu'on a pu vivre comme des échecs dans le passé, parce qu'on a vu hein, pas mal de choses liées au passé, et faire le bilan du passé ou se replonger dans certaines mémoires du passé. Donc c'est compliqué. Et le lion ici, ça représente votre intériorité, vos pulsions intérieures, vos démons intérieurs aussi. C'est l'aspect sauvage, vous voyez, tout ce qui est... Enfin, je ne sais pas trop comment vous le traduire, je pense que vous comprenez, mais voilà. Donc, le principal défi pour vous, c'est avoir le courage, vous relever les mains, parce que... vous relevez les mains. Vous relevez les manches, bah parce que ça demande un travail quotidien aussi, hein, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Ça demande des efforts, en fait. Ça demande des efforts, tout simplement. Mais si vous avez la force, c'est aussi pour vous indiquer que justement, vous aurez cette force pour aller dépasser certaines peurs, certains obstacles. Vous aurez l'énergie, vous aurez la volonté aussi et la détermination. Hein, la force, vous voyez, elle est déterminée, elle sait ce qu'elle fait aussi. Hein. Elle a la technique. Mais pour maîtriser ce lion, elle a vraiment la technique, elle a le geste. Donc peut-être que vous allez aussi travailler pour justement apprendre différentes techniques, je sais pas moi, de méditation, ou alors au niveau énergétique, de Reiki, vous voyez, toutes ces choses-là, pour, dans tous les cas, agir sur l'énergie. C'est ce que je ressens, sur votre énergie aussi, sur votre
sur votre aura, sur tous les corps énergétiques qui vous englobent. Donc je pense que ces mots-là parleront à beaucoup d'entre vous. Voilà. Alors, pour finir, on a deux cartes ici. Donc, j'ai utilisé la sagesse des royaumes cachés. Et en fait, j'ai demandé, j'ai mis l'intention d'avoir des messages, des guides pour vous, pour cette année 2020. Un petit peu des conseils. Et avec ce jeu, les cartes peuvent, elles ont deux polarités, si vous voulez. Elles peuvent intervenir en tant qu'alliées ou en tant que rivales. D'accord? Donc, j'ai tiré une carte pour savoir quel est votre allié. C'est-à-dire qu'est-ce qui est favorable pour vous, qu'est-ce qui va vous aider, qu'est-ce qui joue en votre faveur cette année 2020. Et ici, le rival, donc c'est plutôt l'opposé, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faudra combattre, quels seront les défis là aussi, ou les obstacles présents. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner? Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher d'atteindre vos buts? Alors, on va commencer en intuitif et puis en même temps, je vous lirai aussi le livret parce que ça pourra vous donner des informations complémentaires. En allié, vous avez la reine de l'ombre. Ah, c'est. Mais c'est très intéressant aussi. Donc, je vous l'approche parce que j'aime bien les images. Elles sont assez parlantes, je trouve. Bien, vous voyez, la reine de l'ombre, ça indique que justement. Vous aurez cette capacité, vous avez une force intérieure, vous voyez, elle est toute habillée en noir, elle ne voit pas où elle va, mais elle a quand même cette lumière, elle brandit cette lumière, et pour moi, ça fait vraiment écho avec cette carte de la force. Donc, il n'y a pas de hasard. Parce que vous aurez la capacité de transformer votre ombre, vous voyez, la reine de l'ombre, vos parts d'ombre, vous avez cette capacité en vous. Et c'est ce qu'on a vu aussi, vous aurez cette volonté, vous n'avez pas peur en fait d'affronter l'ombre parce que vous savez que vous avez la lumière en vous, vous avez, je sais pas comment vous traduire ça en fait, vous avez la lumière en vous, vous avez la foi aussi, hein. Votre foi pour moi va être très présente. D'ailleurs, au-dessus de la lune, on a l'étoile qui correspond au guide, à la guidance. À l'univers aussi, pour moi. Et on a les connaissances, ça veut dire que à l'intérieur de vous, et c'est pour ça que vous allez devoir vraiment le chercher à l'intérieur, hein, à l'intérieur. À l'intérieur de vous, il y a cette lumière qu'il faudra que vous retrouviez parce que ça sera votre plus grande force, c'est votre plus grand pouvoir. Vous avez le pouvoir de transmuter l'ombre, en fait, l'ombre qui est en vous. Alors on va voir si on a des informations complémentaires avec le livret. Alors, la reine de l'ombre vous dit que trop de détails cachés derrière vos situations vous empêche d'aller rapidement de l'avant en ce moment. Elle vient avec une lanterne pour vous aider à jeter de la lumière sur ce qui est dissimulé en vous ou votre situation. Ouais, vous voyez, c'est exactement ce que je ressentais. Le moment est venu d'attendre que davantage soit révélé. Peut-être manquez-vous de clarté et de connaissances sur la manière d'aborder le sujet de votre question. Il est temps de vous instruire vous-même un peu plus à propos de votre intention et d'ensuite faire travailler cette information pour vous. La reine de l'ombre vous demande de creuser profondément afin d'acquérir de la force. C'est juste magique. Afin d'acquérir de la force et vous dit aussi que vous avez le courage de demander à quelqu'un qui est au courant. C'est écrit entre guillemets. Vous voyez? Je ne sais plus où on est. Quelqu'un qui est au courant. D'ailleurs, je peux le laisser comme ça. Hein, de mettre la lumière sur vos situations. Donc, qui est au courant, ça veut dire de. On parlait des, vous voyez, peut-être d'un mentor, d'un guide, quelqu'un qui sait de quoi il parle en fait. Elle promet de vous envoyer cette personne, la reine de l'ombre.
Donc oui, vous allez recevoir de l'aide. Prenez garde de ne pas avancer trop rapidement dans le noir, car il est fort probable que vous trébucherez et tomberez. Puis, vous devrez recommencer. Ouais, bon bah c'est vraiment en totale adéquation, en écho avec tout ce qu'on a vu avant, l'ermite qui peut représenter. Enfin, voilà, je ne vais pas revenir sur tout ça, mais d'ailleurs l'ermite ici, c'est un peu cette carte, hein, vous voyez? Même au niveau de la tenue, lui aussi tient sa lumière. Et comme on était sur la maison ici, sur la carte de la maison numéro 4, pardon, maison numéro 4 qui correspond bien à votre foyer et aussi à votre maison intérieure, vous voyez? Donc, gros travail pour vous. Mais c'est en allié ici. On vous dit que c'est vraiment, quelque part, c'est le conseil aussi qu'on vous dit, hein, vraiment, il faut y aller. C'est le moment d'aller affronter l'ombre. Et alors, qu'est-ce qui va jouer peut-être en contre ici? Vous avez la reine des glaces. Tout de suite, j'ai pensé à Elsa, la reine des neiges. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'il y a un lien à comprendre avec la reine des neiges. Bah là, oui, tiens, écoutez, on va rebondir là-dessus, vous voyez, comme il n'y a pas de hasard, et c'est comme ça que ça marche aussi. La reine des glaces, la reine des neiges. La reine des neiges, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous encourage à aller le voir. En fait, tout simplement, c'est le fait d'avoir un pouvoir intérieur, mais peut-être de ne pas savoir le contrôler, hein, le maîtriser. On parlait ici avec la force. Ben justement de part d'ombre et d'obstacles à dépasser. Et ici, le rival, ça va représenter justement ces obstacles. Donc, en fait, il y a un grand potentiel en vous qui est en sommeil pour l'instant, et qu'il va falloir que vous puissiez réveiller. Réveiller, que vous puissiez apprendre à canaliser, à contrôler. Et on a cette espèce de chouette-là, je pense que c'est une chouette. Qui représente pour moi la connaissance, la sagesse, l'intuition aussi et la connexion un petit peu avec les plans supérieurs. Donc, on vous dit que c'est vraiment en vous, il y a ces capacités qui sont en vous, mais qu'il faudra réveiller. Et ça passe, en effet, par l'écoute intérieure, par le travail personnel. Ce que je ressens aussi, c'est que justement, il y a certaines choses, certains schémas, certaines habitudes qui sont comme cristallisées en vous. C'est-à-dire que c'est des choses soit que vous vous êtes tellement répété à vous-même, des affirmations par exemple, je ne sais pas, moi je ne suis pas capable de ça, ou je ne mérite pas l'amour, enfin voilà, je donne des exemples comme ça, qui arrivent dans vos pensées, ou alors des choses qu'on vous a dit, que vous avez pris pour vous, que c'est maintenant cristallisé. J'ai vraiment cette notion de cristalliser en vous et dans vos énergies, dans vos corps énergétiques. Donc c'est pour ça que il faudra dépasser tout ça. Il va falloir ramener du neuf, du nouveau. Et pour certains, on vous dit bien que votre rival, ça peut être, entre guillemets, une certaine paresse. On a inaction ici. Ça veut dire que, comme je dis, faut se relever les manches. Faut se relever les manches et puis il faut avoir du courage pour faire tous ces changements intérieurs. Mais en fait, c'est pas si compliqué que ça, vous savez, et ça ne vous demande pas de passer 3 heures par jour sur votre développement personnel et spirituel. Mais juste ne serait-ce que quelques instants, parfois, de méditation, mettre en place certaines routines, justement, pour le coup, mais des routines positives, ça sera extrêmement bénéfique pour vous. Mais peut-être que bien, pour certains, parfois, il y aura le manque d'envie et le manque de... Ouais, le manque d'envie, le manque d'énergie aussi pour faire toutes ces choses-là. Mais voyez plutôt la Reine des Glaces. Qu'est-ce qu'elle est capable de faire ensuite dans le dessin animé? Quand elle assume pleinement qui elle est, en fait, c'est ça aussi. C'est assumer pleinement qui vous êtes, qui vous êtes réellement, sans vous cacher aussi, sans vous cacher par rapport
à l'extérieur et montrer une image de vous qui est un peu erronée. Alors, la reine des glaces. Quand la reine des glaces vient vous mettre au défi, elle vous demande d'examiner l'illusion de la propriété. Croyez-vous vraiment que vous possédez quoi que ce soit dans ce monde? Par exemple, est-ce que nous possédons vraiment la terre ou les idées? N'avons-nous pas simplement revendiqué une chose à laquelle nous croyons avoir droit? Même l'inspiration est empruntée à l'esprit et partagée avec tous dans le champ de la conscience divine imprégnant tout. D'autres, quelque part, ont pensé à vos idées les plus ingénieuses. Et alors? La vie incarnée est courte. Lorsque vous faites la transition, vous n'emportez rien avec vous du monde matériel. La Reine des Glaces vous invite à libérer votre emprise sur vos relations, vos biens, votre maison et tous les aspects de votre vie. Laissez simplement la vie suivre son cours à sa guise. Car tout est temporaire. Une fois que vous aurez reconnu cela, vous considérerez tout comme le miracle vivant que cela est, et vous ne serez plus gelé dans les limites que vous vous infligez. Le temps est venu de vous libérer de la propriété en général, d'être reconnaissant et d'apprécier les dons que vous avez reçus. Ok, donc je ne sais pas si ça vous parlera. Moi, je trouvais qu'en intuitif, le message était plus clair pour moi, mais peut-être qu'il y avait un message pour certains ici. Et sinon, on parle en effet de limites, de choses, de croyances limitantes, en fait, d'idées conservatrices aussi, quelque part, qui vous mettent dans une sorte de limite, dans une zone de confort, pardon. Pour certains, mais qui en fait sont une prison. Voilà. Écoutez, j'espère vraiment que ça vous aura parlé et puis surtout que cette guidance pourra vous aider pour cette année 2020. Je vous souhaite le meilleur, je vous envoie tout plein de bisous et je vous dis à bientôt.